Good morning. Today with the Minister of Justice, we will discuss about our values. It's in relation with the situation in Ukraine, of course, and so that will say that we will discuss about the conclusion of the Council on Racism and Antisemitism, also the extension of the list of your crimes to hate speech and hate crime, and a real discussion about the access to the lawyers in relation with the rule of law. That's concerning the values in the EU. But of course, during the lunch, we will have the opportunity to analyze the situation in Ukraine now. And I'm sure it's important for the Minister of Justice to play a role in the implementation of the sanctions, but also in the fight against impunity for the crimes committed during the aggression, and to organize a good coordination of all the possible investigations at the national level concerning oligarchs helping the Russian regime in such an aggression. With regards to the hate speech, hate crime and the EU list, when do you expect the adoption of this? But it's an orientation today. I'm hoping that we'll be open to go to a very large majority. You know that we need to have unanimity, and so we'll try to continue to make progress and to convince all the member states that it's needed to send a good signal with the extension of the list. But again, I said we will have different debates today about the values, and not only that, also with the Director General of FRA, Fundamental Rights Agency, and also concerning the rule of law report, an open debate concerning the lawyers. But I'm sure that today the most important part will be concerning the situation in Ukraine and the way for the Minister of Justice to take part in the process, in the implementation of sanctions, and again, as I said, in the way to fight against impunity, but also to fight against some possible support by different oligarchs or other people to the aggression. Léa Marchal de l'Agence Europe, sur les preuves électroniques, depuis la dernière fois qu'on s'est vu à Lille, est-ce que quel progrès vous pouvez observer sur les discussions sur les preuves électroniques? Le trilogue a montré qu'on avait réellement progressé, puisqu'il y a toute une série de sujets qui étaient encore en discussion, qui vont vraiment permettre maintenant de travailler au niveau technique pour trouver des solutions, des compromis, des points d'accord. Maintenant, sur le système de notification lui-même, il reste encore effectivement des divergences entre le Conseil et le Parlement, mais le Conseil s'est engagé à présenter une note de réponse aux arguments du Parlement. Et donc je pense que nous avons vraiment progressé. J'espère que à la fin du mois ou dans le courant du mois d'avril, nous aurons à nouveau un trilogue pour montrer que le dossier progresse réellement. L'ambition est de tenter de conclure pendant la présidence française. La note que le Conseil doit proposer, ce sera à peu près quand? Normalement, ça devrait aller très vite. Je crois que c'est une question de jours, mais bon, vous savez qu'il y a beaucoup de sujets pour le moment, donc ça devrait aller très vite pour que l'on puisse vraiment retravailler rapidement au niveau technique encore pendant le mois de mars et aller vers un trilogue. C'est pour ça que je vous disais à la fin du mois ou dans le courant du mois d'avril. C'est en tout cas l'ambition exprimée par les trois institutions lors du dernier trilogue. Maybe in French. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion, dans le débat avec les ministres de la Justice, de revenir, bien entendu, sur la situation en Ukraine. Ce sera un moment important pour débattre des valeurs dans l'Union européenne. Nous allons débattre, par exemple, de l'extension de la liste des eurocrimes au discours de haine. Nous allons débattre aussi de conclusions du Conseil sur le racisme et l'antisémitisme avec le directeur de l'Agence des droits fondamentaux, ou encore du rapport sur l'état de droit et de l'accès aux avocats. Ce sont des débats importants dans l'Union, mais bien entendu, le plus important, c'est de voir quel rôle les ministres de la Justice peuvent jouer dans le cadre de l'agression russe en Ukraine. Et je pense bien entendu à la mise en œuvre des sanctions, c'est un premier élément, mais aussi à la lutte contre l'impunité concernant les crimes commis pendant l'agression russe en Ukraine et la manière de coordonner les actions des différents ministres de la Justice, mais surtout des différents systèmes judiciaires, je pense notamment aux procureurs, dans des investigations et des poursuites concernant des oligarques qui pourraient apporter un soutien au régime du président Poutine. Voilà. That way.